pygmée, mais avec beaucoup d'affection. Donc, pour moi, c'est mon pygmée à moi, personnel, car dans son pygmée, il y a toute une culture, toute une race qui explose en lui. Paco, c'est Paco, quoi. C'est pas autre chose. La première fois que j'ai mis les pieds en classe, je devais avoir, je sais pas, 9 ans, quoi. 9, 8 ans. Je suis allé à l'école très tard, d'ailleurs. Je suis pas allé à l'âge de 7 ans, mais très tard à l'école. La seule personne vraiment avec qui j'étais vraiment complice, c'était ma sœur. Parce que c'était la seule qui était plus du côté, tout ce qui était cinéma, danse, théâtre, tu vois, artistique. Donc moi, ça m'attirait vachement, quoi. En plus, elle sortait tout le temps, ma sœur. Tu vois, c'était une danseuse, elle était tout le temps dans les fêtes, dans les machins. Et ça m'attirait beaucoup plus, quoi, que autre, l'école, les machins. Mais quand même, j'étais quand même un bon élève, vraiment. J'étais plus souvent avec elle que vraiment à la maison, quoi. D'ailleurs, tous les deux, elle et moi, on se faisait taper tous les jours parce que c'était les deux carrières de la famille, tu vois. Et puis bon, au fur et à mesure, ça commence. Les années passaient, moi, je voulais tout faire comme ma soeur, en fait. C'est-à-dire aller à l'école comme elle, faire du théâtre comme elle, danser comme elle. Elle m'avait vraiment fasciné, quoi. Je sais bien qu'en Afrique, on adore la musique, tout ça, mais c'est pas, dans une famille, musicien, c'est pas vraiment, c'est pas bienvenu, quoi.